je vous propose de commencer par la prière en chantant le signe de croix. On se met debout et vous répétez après moi. Au nom du Père, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Fils, et du Saint-Esprit, et du Saint-Esprit, nous sommes ici. Et du Saint-Esprit, et du Saint-Esprit, nous sommes ici. Pour quoi faire? Pour te louer. Merci pour le don de ma vie. Aide-moi à grandir dans la foi. Viens me bénir et bénis toute ma famille. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous propose aujourd'hui un petit bricolage pour la semaine sainte. Qu'est-ce que c'est la semaine sainte? Pourquoi on l'appelle la sainte? Eh bien, parce que ce n'est pas une semaine comme tous les autres. C'est pour justement faire la différence. Il y a une semaine spéciale dans toute l'année. C'est la semaine où nous faisons mémoire, où nous, on est au cœur de l'histoire de Jésus. Nous faisons mémoire des derniers moments de la vie de Jésus sur la terre, et de sa résurrection. C'est la semaine qui nous porte vers la grande fête de Pâques, la plus importante pour nous. Et là, maintenant, on va voir comment elle se déroule, comment elle commence. Alors, pour le bricolage, vous prenez votre trousse, vos ciseaux. Si vous avez eu la possibilité et le temps d'imprimer les deux feuilles pour le bricolage d'aujourd'hui, pour l'activité, c'est très bien. Mais différemment, ne vous découragez pas, même si par exemple ça ne marche pas l'imprimante. Vous pouvez prendre un compas, ou sinon un bol, n'importe quelle chose ronde qui puisse nous aider à faire un cercle. Mais sinon, vous le faites sans rien. Ça viendra un peu tordu, pas trop rond, mais ce n'est pas grave. Au pire, vous pouvez même faire des carrés. On s'adapte. Ok? Vous pouvez dessiner 4 disques, vous voyez, un peu grands quand même. Et puis, vous pouvez couper des morceaux de papier. Voilà, environ 5. Et puis, avec ce qui reste du papier, vous pouvez découper des morceaux un peu plus longs. Et voilà, moi aussi j'ai découpé mon matériel. D'ailleurs, je vais un peu avancer mon travail. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous collez ensemble les morceaux de papier que je vous avais demandé de laisser un peu plus longs, comme ça, vous voyez. Vous en mettez 2, 3, 4, bon, ça dépend. Après, ce qui avance, on peut le couper. Et voilà. On écrit, si vous n'avez pas les morceaux déjà imprimés, on met tout au bout ma semaine sainte. Et puis, sur un premier disque, on va écrire dimanche des rameaux. Et on va dessiner un petit rameau. Le rameau, c'est le symbole un peu de la paix que Jésus, le prince de la paix, vient porter au monde. Et nous rappelle aussi comment Jésus a été accueilli quand il est rentré à Jérusalem pour fêter sa Pâque. Donc, on rentre dans la semaine sainte par cette célébration.
l'agrégation des rameaux. On prend le rameau et on chante Hosannae, Hosannae, viva Jésus, il est le sauveur, vous voyez. Et juste en bas, nous allons prendre encore un petit morceau et on va écrire Jésus, je t'accueille dans mon cœur. Voilà, on prépare notre cœur pour accueillir Jésus. Jésus, c'est comme si notre cœur c'était un peu Jérusalem. On arrive un peu vers la fin de la semaine. Le jeudi saint. Voilà, c'est le jour où Jésus, il va prendre encore un dernier repas avec ses disciples. Il leur donne encore quelques renseignements. Et au cours de ce repas, il leur lave les pieds. Il veut leur apprendre le service, à s'entraider. Et c'est pour cela que j'ai dessiner ici des mains. Qu'est-ce que je peux faire avec mes mains? Eh bien, je peux faire beaucoup de bien et je peux aider les autres. Et puis, j'ai dessiné un morceau de pain. Pourquoi? Parce que Jésus, il prend le pain, il le bénit et il dit à ses disciples, voici mon corps et puis voici mon sang. Faites cela à mémoire de moi. Jésus, il nous dit que il sera toujours présent dans l'Eucharistie. Voilà. Et c'est pour cela que nous allons écrire en bas notre prière. Jésus, apprends-moi à servir les autres. Ça sera notre prière pour ce jour. Et puis, ensuite, et bien après ce repas, Jésus est arrêté. Il va passer la nuit en prison. Il va être vraiment maltraité. Être trahi. Eh bien, plein de choses se passent dans cette nuit. Et le lendemain, il donne sa vie pour nous sur la croix. C'est le vendredi saint. Et vous pouvez dessiner une croix. Vous voyez? Ce sont des dessins très simples. On va accrocher avec un petit peu de scotch, de colle, ce que vous avez, notre croix. Vous voyez là, je n'ai pas trop de place. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends encore un morceau de papier et je le rajoute. Voilà, comme ça, on n'aura pas de souci à cause de ça. Oh là là, tiens. Parfait. Quelle sera notre prière pour ce jour? Jésus, pardonne-moi pour les fois que je te laisse seul. Eh oui. Parfois, nous aussi, nous mettons Jésus un peu en croix. Eh bien, nous le laissons tout seul, nous l'abandonnons, nous ne prions pas assez, nous vivons comme s'il n'était pas présent, comme s'il n'était pas Dieu. Ça nous arrive, et c'est pour cela que nous demandons le pardon. Puis, il y a le samedi saint, c'est le jour du grand silence. Toute l'Église, tous les chrétiens, ils attendent que Jésus donc, c'est le silence de l'attente, la nuit de la crainte. Vigile Pascal, on attend la résurrection de Jésus. Et finalement, le dimanche de Pâques, Pâques, passage de la mort à la vie. Jésus a vaincu la mort, il est vivant. Voilà, il nous ouvre les portes du ciel, il nous réconcilie avec Dieu. On fait la fête. Et voilà, je sais que vous êtes intéressés à chercher les œufs dans les jardins. Mais souvenez-vous que les œufs symbolisent la vie. Et c'est pour ça que je vous invite à prier et à crier. Alléluia! Merci Jésus, tu es grand. Et voilà, nous pouvons coller notre dernière prière en bas. Voilà, oh là là, je n'ai plus de scotch. On va y arriver. Notre bricolage sur la semaine sainte est prêt. Vous voyez? Ah! Mais ce qui est important, c'est de vivre cette semaine vraiment de manière différente. Et on est au cœur de l'histoire de Jésus, où il va tout donner pour amour de nous.
Je vous laisse terminer le bricolage, prenez votre temps. Merci Seigneur, merci pour tout. Donne-nous d'être reconnaissants.